faire original, c'est à partir d'une passion. La passion de la bière. Oli et moi, on est débarqués dans un party avec une coupe de caisse mixte de nos créations. Le constat général à la fin de la soirée, c'est quand est-ce que vous ouvrez le micro, les gars? Fait qu'on a ouvert notre micro. On a trouvé un nom, on a trouvé un logo, puis on s'est monté une équipe. Jour 1, la souche chez Moilou. L'équipe, au début, c'était moi, mes associés, leur blonde, mon père qui venait m'aider en backup pour les rénovations. Puis on se débrouillait comme on pouvait. Ali Moilou, c'est vraiment notre brasserie expérimentale. C'est là qu'on essaye des nouvelles recettes, on teste des nouvelles techniques. Créer de la bière, c'est vraiment un travail d'équipe, du brassage jusqu'à la personne de labo. Je pense qu'on est une des microbrasseries au Québec, on a la plus grande diversité de bières brassées. Tant avec des ingrédients différents, des nouveaux houblons, tous les fruits que tu peux pas t'imaginer. Fait que la raison pour laquelle les fondateurs ont parti ça, c'est de faire le plus de bières différentes possibles pour que le monde puisse goûter à tous les styles possibles. J'exposais mes propres tableaux, puis c'est là que dans le fond, ils m'ont proposé de commencer à illustrer les bières pour eux. Ça, j'ai grandi dans un milieu assez naturel, entre une rivière puis une montagne. C'est là que j'ai commencé à dessiner des arbres, des fleurs, des choses comme ça. Ça a toujours fait partie de mon univers graphique, puis ça s'est transposé avec la souche. Combien t'en livres là-dedans? Là-dedans, 16 à 20 000 par semaine au moins. Des bières, ça? Ouais. Juste des bières? Juste des bières. On ne pouvait pas juste faire de la bière, il fallait de la bouffe, la bonne bouffe. Poutine, pizza, nachos, la bonne bouffe. Fallait de la salade aussi. Le jardin a bien aidé pour ça. Je vais avoir une vingtaine de sortes de légumes différents. La houblonnière, les deux ruches, le poulailler, je vais avoir 12 poules. Puis ouais, toutes mes poules, ils ont des noms. L'équipe est primordiale. On pourrait pas accomplir tout ce qu'on fait sans elle. On est une équipe si serrée. Tout le monde est ici depuis vraiment un bout. On leur fait confiance, on la développe, on leur donne des responsabilités, puis on les laisse s'amuser là-dedans. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à donner une expérience tripante au monde. C'est pas juste du travail, là. C'est le truc avec des amis, là. C'est un beau projet, dans le fond.